Les compositions du troisième trimestre comptant pour l'année scolaire 2016-2017, selon le programme du gouvernement congolais, se déroulent sans encombre dans l'ensemble du territoire national, tant bien dans le privé que celui de l'État. Comme en témoigne le centre scolaire Allegra, si à Bakongo, cet établissement public-privé offre 3 cycles de formation aux enfants. En cette période de composition, les élèves composent avec attention particulière, à commencer par les épreuves de français, notamment l'orthographe et la rédaction, avant de s'attaquer aux autres matières. De l'avis de quelques élèves, la composition du troisième trimestre ne donne aucune influence dès lors qu'ils se sont préparés avec abnégation tout au long de l'année scolaire 2016-2017. Un espoir de taille pour ceux de la sixième et la cinquième. La composition du troisième trimestre se déroule très bien. On s'est vraiment préparé depuis le début. Tout se passe très bien. Nos enseignants nous ont bien formés. C'est pour cela que nous sommes là. Se passe très bien. C'est au calme. C'est bien. Non, on ne triche pas. C'est rare qu'on triche. On travaille plus que tricher. La dictée était moyen. On a bien travaillé. On a bien travaillé. Plutôt bien. Plutôt bien, simple. Et on fournit plus d'efforts. Travaille plutôt dans le calme et ça nous permet de réfléchir. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Du côté du personnel enseignant, 15 au total pour l'ensemble du collège, le moral reste sans inquiétude au regard de la discipline, la régularité des cours et la maîtrise parfaite des matières. Nous sommes au début des compositions, tout est bien lancé et on va voir comment ça va se dérouler. Comme d'habitude, j'espère que ça va bien se passer. On pourra terminer en beauté l'année scolaire. Nous avons l'épreuve de rédaction. Et on demande aux enfants s'ils peuvent changer ou pas de quartier, est-ce qu'ils aiment vivre dans leur quartier habituel ou pas. Et c'est un sujet qui colle bien avec la situation actuelle. Nous avons ici une certaine rigueur qu'on applique. Ces enfants, dès la classe de 6e, on les habitue à travailler correctement et à s'exprimer aussi librement. Il n'y a pas de tricheurs parce que là, moi je ne badine pas, je mets de moins 5 de temps en temps, dès qu'il y a des chuchotements. La composition du troisième trimestre se déroule bien dans le calme. Aujourd'hui, nous avons commencé l'épreuve de français. Les élèves vont faire l'orthographe et l'expression écrite. En Allegra, les élèves ne trichent jamais. Ils ont un bon niveau. Ils ne trichent pas. Ce sont des bosseurs, en fait. Ils ne trichent pas. Ils travaillent dans le calme, dans le silence. Oui, ça se passe très bien. L'éducation se passe très bien. Très bien. Les enfants sont ponctuels. C'est des enfants qui sont... Bon. Comme tout enfant, hein, les enfants aussi, leurs caprices, bon, mais on fait avec. On fait avec. Là, nous avons commencé avec l'expression écrite et la dictée, la composition de fin d'année. Bon, faire le mur ici, je ne pense pas. Tricher ici, je ne pense pas. Je ne pense pas que ces enfants-là trichent. Ben, mais nous le contrôlons d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est des enfants respectueux, comme j'ai dit tantôt. Ils respectent ce que les professeurs disent. Ils respectent ce que les professeurs disent et ils se soumettent, franchement. Évidemment, certains récalcitrants ne peuvent pas manquer. Hein? Nous avons certains récalcitrants qu'on essaie un peu de mettre dans le droit chemin. Et ton parent également. Donc c'est à peu près cela. Vraiment, nous sommes bien préparés. Les évaluations se déroulent normalement. Étant donné qu'il fallait respecter le calendrier sorti par l'État, et nous sommes obligés de respecter ce délai en commençant nos évaluations effectivement à partir du 12. Nous évoluons en deux étapes. Étant donné que le français est divisé en plusieurs modules et commencer ensemble avec l'école primaire, c'est très difficile pour s'en sortir. Alors nous, nous devançons l'école primaire et nous commençons avec la dictée, la rédaction, pour que quand nous allons commencer ensemble avec les autres, qu'on finisse aussi au même moment. Donc nous, au collège, nous avons commencé avec le français, notamment avec la dictée et l'expression écrite. Ça se passe bien, parce que ça fait au moins, ça fait 21 années que nous faisons ce travail et on est suffisamment rodés pour ce genre d'activité. Donc ça se passe bien. Ces enfants, nous avons eu toute l'année. Et on les a préparés comme il se doit et nous avons l'espoir que les résultats seront
satisfaisant. Ben, qu'ils réussissent bien. Nous faisons tout pour qu'ils soient des élèves, des enfants, des citoyens bien éduqués, disciplinés, etc. Qu'ils réussissent dans leur vie. C'est mon souhait. Bref, les compositions du troisième trimestre jusque-là ne signalent aucune entorse quant à son déroulement. Reste donc à souhaiter bon travail aux élèves et écoliers pour le passage en classe supérieure.